Rednoth! Yes, salut guys, mon nom est JP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, New Bike Day. Qu'est-ce que c'est ce bike-là? L'année passée, quand j'avais le Nomade, il y a beaucoup de monde qui sont arrivés, genre, oh wow, t'as un nouveau bike! Nomade, t'as pas pris de Dreadnought? La raison pourquoi j'ai pas pris un Dreadnought fourni par Boreal, c'est très simple, c'est que j'avais une option sur un frameset l'an passé que j'étais supposé avoir quelque part au mois de juillet, ça a pas fonctionné. Donc pour 2024, j'ai reçu mon frame. C'est donc un magnifique Forbidden Dreadnought grandeur large. Le frame est flambant neuf, fait que triangle avant neuf, triangle arrière neuf. C'est un retour de garantie, fait que le bike est 100% flambette. Il vient avec un Fox X2 2024. Mon premier réflexe, c'était d'enlever le X2 et peut-être remplacer par un Super Deluxe. Mais pour 2024, Fox ont changé la canisse d'air sur le X2, qui était un choc un petit peu problématique depuis la dernière décennie, disons. Ça fait qu'on va essayer le X2 au péril de ma vie. On va regarder un petit peu comment que ça roule. S'il y a de quoi au pire, on mettra un coil sur le bike. Donc 154 de travel à l'arrière, 170 à l'avant avec une Zeb Ultimate. Pour le reste du build, c'est assez basic. C'est toutes des pièces que j'avais à la maison. Ça fait qu'on va avoir une transmission GX pas mal all the way, chaîne XX1. Personnellement, je ne vends pas en bas de la XX1 parce qu'elle dure beaucoup plus longtemps. Au niveau des freins, ça va être des codes RSC avant et arrière avec des rotors HS2, 200 mm, 200 mm. On va avoir pédalier GX. On va avoir mes pédales Atlas que j'adore. Au niveau du dropper, ça va être un petit classique, un One-Up V2, 180 mm, petite selle de WTB. Au niveau du cockpit, ça va être une potence 9.8, 32.5 mm. J'ai raccourci un petit peu le reach. C'est un bac qui a quand même un reach assez long à 7.84 de ma mémoire. Fait que j'ai rajouté une petite potence un petit peu plus courte pour raccourcir le reach. Au niveau du guidon, ça va être un DT en carbone de 800 mm. On peut peut-être regarder pour couper ça à un certain point. Sinon, wheelset, c'est un wheelset que j'avais à la maison, fait que super basic. C'est des Arc 27 et Arc 30 montés sur des Hope Pro 2. Et ça fait pas mal le tour. Au niveau du rubber, c'est vrai, on va rouler du Schwalbe sur ce bike-là pour cette année. Un petit combo que j'adore, le Magic Mary 2.5 en avant et le Big Betty 2.4 à ma mémoire en arrière. Donc le casing Gravity, qui est le deuxième à partir d'en haut, qui peut être un petit peu l'équivalent du Double Down. Fait qu'un gros merci aux boys de m'avoir aidé à monter ça. C'est un bike qui est quand même assez catchy à monter. Plusieurs petits détails doivent être setés assez serrés, comme la longueur de la chaîne qui doit être très, très, très précise. Sinon, vous allez avoir de la misère avec le shifting. Il faut quand même isoler l'intérieur du cadre ici avec de la gaine. Sinon, il n'y a pas d'internal routing. C'est un bike qui est assez bruyant. Donc, avec ça, on vient couper le bruit au complet. Fait que plein de petits détails techniques. On a Rafissi à la shop qui est mécano pour Forbidden sur la World Cup. Fait que j'ai des petits trucs de pro pour monter ce bike-là. Fait que merci aux boys de m'avoir aidé avec ça. Évidemment, si vous venez rider dans le coin du Mont-Saint-Anne, dans le coin du Massif, je vous invite à venir voir les boys. Si vous avez besoin de gear, si vous avez besoin de vous réparer, les boys sont distributeurs pour Santa Cruz, Forbidden, évidemment, Giuliana, Orbea sont aussi nouvellement dépositaires de GT. Et qu'est-ce que j'oublie? Specialized, ouais, il y en a sûrement d'autres que j'oublie. Ça fait que si vous avez besoin de gear, passez voir les boys. Ils sont incroyables. Sur ce, il reste une seule chose à faire avec ce bike-là. Allez voir comment ils ride. Yes! Salut, guys! Mon nom est JP. Bienvenue à Freeride Québec en 2024. Aujourd'hui, premier épisode de l'année. Comme vous pouvez voir dans la région de Québec, encore un petit peu de neige. Tous les centres sont fermés. Je crois que le seul du Québec qui est ouvert présentement, c'est Montebello. Eux, c'est un petit peu loin. Alors, on va improviser. Ah, ça passait! Mais pour vrai, il faut de l'imagination, hein, maudit, pour se faire des lignes ici. Ça avait l'air plus facile quand j'étais dans mon char puis je passais. Peut-être pas. Hey, pour vrai, ça marche pas, là, je m'excuse, là. Pas capable de rien faire ici, ça marcherait vraiment pas. Ultimement, il y a
une ligne. Ça serait à partir d'en haut. Toc, toc, toc. Puis il y a pas de fin. Il faudrait faire du trial là. Bon, fait que c'était sûrement l'épisode de Freeride Québec le plus court en carrière. On va regarder ça. Fait que c'est ça. On improvise quand il y a trop de neige. Hey, pour vrai, ça marche vraiment pas autant que je voulais. Mais regardez, c'est la première fois que j'embarque sur le Dread. Je voulais juste mettre un peu de temps sur le bike. Wow! Un peu, toi. Il n'y a pas de fin encore, non, non. Non, c'est ça. Fait quoi, écoutez, premier 5 km officiel sur le Dread. C'était juste pour essayer un peu voir le système de suspension, comment ça va. Je pense que ça va être débile, ce bike-là. Pour le prix que je l'ai payé, sans joke, ça va valoir la peine. Je pense que ça va être un bike qui va vraiment shiner dans le rapide. Tu sais, ça, je suis quasiment à l'arrêt, ça marche pas. Mais je vais vous en parler un petit peu plus en détail quand j'aurai le temps de le tester au complet. Sur ce, c'était l'épisode le plus court de Freeride Québec. Un gros merci d'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne saison 2024. Faites attention au début d'année, là, les clavicules cassées, vous savez. Là. Premier mois, il y a tout le temps des records. Là. Premier ride, je me suis cassé la clavicule, ma saison est finie. Écoutez, allez-y tranquille. Bon, et bonne journée.